un tournant important de notre alliance. Que s'est-il passé? Au Togo? J'ai bien au Togo. Au Togo, ils ont fait... C'est pas vrai. Au Togo, ils ont fait le port du Togo. 92% des recettes du port de Togo sont réalisées par les trois pays de l'AES. Hier, je vous disais qu'il y avait des informations mensongères qui circulaient, des informations faisant croire que le Niger a ouvert sa frontière avec le Bénin. Je vous ai lu un article qui a prouvé que c'est faux. Et aujourd'hui, le Togo se frotte les mains. Alors, la question qui se pose, est-ce que le Togo voudrait froisser le président Goïta, le capitaine Traoré, le général Tiani, et mettre en péril la bonne relation commerciale que le port du Togo a avec nos États du Sahel au motif de faire plaisir à Alassane Ouattara? Est-ce que Faure Gnassingbé est prêt à prendre ce risque? Parce que si Faure Gnassingbé adopte une démarche dans laquelle notre souveraineté est atteinte, on a le droit de demander à nos autorités de mettre un coup de frein sur le port de Togo et de nous réorienter désormais vers soit la Mauritanie, soit amplifier notre relation avec la Guinée. Donc nous ne sommes pas obligés de seulement dialoguer avec le Togo, mais on peut aller du côté de la Guinée. Donc il appartient à Faure Gnassingbé de savoir où il met les pieds, en quoi il veut s'embarquer. Nous, on n'est pas prêt à reprendre des négociations avec Ouattara. Je le dis. Maintenant, nous, on reste très, très attentifs aux élections présidentielles qui vont se dérouler en 2025. On reste très attentifs. On observe, on regarde. Parce que dans tous les cas, si ça pète, c'est ce qui n'est pas notre souhait. Nous serons obligés de recevoir des gens ici, comme on l'a toujours fait. Mais donc, il est important, puisque nous avons aussi des ressortissants qui sont là-bas. On a des Burkinabés, des Nigériens, des Maliens là-bas. Donc, on ne souhaite pas que la folie de la succession royale au trône présidentiel tourne au vinaigre en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons la paix et la stabilité pour chacun. La même paix que nous souhaitons pour nous-mêmes, nous voulons aussi. On ne le dit pas parce qu'on aime Ouattara, on le dit parce qu'on a des ressortissants là-bas. Soyons réalistes. Soyons réalistes. On a combien? Si vous prenez les trois pays, ce sont des millions de Maliens, de Nigériens, de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Comme vous dites 25, 26 ou 28 millions. Mais vous croyez qu'il y a combien de... Il y a au moins 5 millions de... Si quand vous mettez ces trois pays-là ensemble, nos populations qui sont... Nos ressortissants, pardon, qui sont en Côte d'Ivoire, ça tourne autour de 5 millions. Sinon, voire plus. Alors, est-ce qu'on doit souhaiter pour ce pays-là le chaos alors qu'on a presque... des millions de personnes là-bas? Pas du tout, soyons réalistes à ce point-là. Alors, donc, nos États sont une force tranquille, une puissance commerciale, une manne financière que le royaume du Maroc guette et que l'Algérie, très frustrée, très énervée, a tenté de faire croire qu'il peut nous aider, que elle, c'est l'Algérie, elle peut nous effrayer. Vous avez tous entendu les manœuvres militaires de l'Algérie aux frontières du Mali. Pendant que nous, on dormait, il y a un de leurs avions qui s'est crashé à la frontière. Ils font ça tout simplement parce que nous, comme on a dit non, donc ils font des manœuvres à notre frontière. Moi, j'ai toujours dit, le Mali assis, le Mali regarde. Parce qu'on a un voisin belliqueux comme l'Algérie, on a un voisin provocateur comme la Côte d'Ivoire, on a un voisin instable tel que le Tchad. Il faut être vraiment autre chose que de ne pas se préparer. Et Boko Haram aujourd'hui, manipulé, instrumentalisé, parce que Boko Haram à un moment donné était silencieux. C'est maintenant que Boko Haram a repris. Et on le disait hier, je crois, à peu près 300 personnes ont été enlevées en l'espace d'une semaine au Nigeria. Le même Boko Haram fait incursion au Niger. Le même Boko Haram envoie des gens au Burkina et au Mali.
Je vais développer ça. Partagez, je vous en prie. Parce qu'il faut que cette partie-là, on explique bien comment le réservoir des terroristes-là, mais il vient d'où? Vous voulez savoir? Restez connectés, partagez, on est ensemble, ok? On reste ensemble. D'où viennent les terroristes? Qui fournit l'effectif des terroristes? Où se trouve le réservoir de recrutement des terroristes? Dans le Sahel. Chaque fois, nous regardons à la télévision le RTM, RTN, RTB, on voit toujours les narratives, une horde de terroristes neutralisée par les vecteurs aériens. On est content, nos hommes en tenue nous rendent fiers. Mais il y a un autre aspect que nous, en tant que citoyens, un autre aspect du problème que nous devons soulever à notre niveau. Comment vas-tu, Bachili? D'où viennent les terroristes? Où se trouve le réservoir des terroristes? Qui finance, qui arme les terroristes? D'où viennent-ils? Il y a, à mon humble avis, il y a trois sources pour expliquer l'origine des terroristes. Je n'ai pas dit les chefs terroristes, c'est différent. Et alors nous devons continuer à soutenir nos forces de défense et de sécurité. Les encourager dans le combat qu'ils font, les soutenir dans le combat qu'ils font. Parce que cela y va de la survie de nos États, de la survie des générations à venir. Les autres, ils ont atteint un certain niveau de développement chez eux. On veut nous empêcher d'atteindre le même niveau de développement, de sorte que nous restions dans une position de domination et d'assujetti. Nous disons non à cela, mais évidemment, en disant non, il y a un prix. Et le prix, nous sommes prêts à le payer, nous l'avons déjà commencé, et nous continuerons à le faire parce que nous estimons que la liberté n'a pas de prix, et la dignité de nos États ne saurait être monnayée. Ça, c'est une certitude absolue. Alors, ceci dit, le gouvernement du Mali, c'est vrai, il y a eu des annonces qui ont été faites par rapport à l'amélioration de la coupure au niveau de l'électricité. Vous pouvez entendre mon groupe qui est en marche. Mais moi, personnellement, je dis, je ne me plains pas. Et Dieu a fait en sorte que je ne sente pas trop le poids, n'est-ce pas, du carburant que je mets tous les jours pratiquement. Et ça me permet d'être en contact avec vous, ça me permet de donner les informations sur mon pays et sur l'alliance dans laquelle nous sommes tous embarqués, parce que cela y va de notre survie une fois de plus. Donc évidemment, il y aura des évolutions, mais comme je dis toujours, les évolutions, c'est pas immédiatement. Il y a eu des informations qui ont été données. Je ne pense pas pouvoir les partager aujourd'hui, mais je voudrais remercier d'abord le ministre Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, pour la générosité dont il a fait preuve en prenant 150 familles, 150 000 je crois, pardon. C'est beaucoup, c'est énorme. Le ministère de l'administration territoriale a fait quelque chose d'extraordinaire. Je peux dire, après Ambiko, après le président Assimi Goïta, peut-être le premier ministre, je ne sais pas trop ce que le premier ministre va faire, mais le ministre d'État, il a frappé un grand coup. Il a non seulement soutenu, ce n'est pas seulement les mosquées, il a dit même les églises. Ils vont donner des panneaux solaires aux églises pour faire en sorte que la question de l'électricité ne vienne pas perturber tous ceux qui croient à un Dieu. Chacun peut prier son Dieu, mais que chacun soit dans les meilleures conditions pour prier son Dieu. Et je dis infiniment merci au ministre Abdoulaye Maïga et aux familles, aux personnes vulnérables, aux personnes démunies, les porter, les assister pendant ce mois de jeûne. Le ministère de l'administration territoriale a fait un grand coup. À côté du ministère, évidemment, le premier ministre aussi, on le regarde, le président, évidemment, lui, on n'a pas besoin de se poser des questions, ça c'est automatique.